Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui, vous présenter ce webinaire sur l'utilisation de l'eau de pluie dans les bâtiments. Et ce qui est derrière l'information que je vais vous présenter, ce sont les changements qui ont été mis de l'avant par le Code national de plomberie du Canada. Donc, on va regarder ça ensemble. Et peut-être juste aussi mentionner s'il y en a certains d'entre vous qui étaient présents au Salon des Techs au mois de mai. Donc, c'est une présentation qui est similaire à ce qui avait été présenté en mai. Donc, oups, ça sera pas long. Je vais changer de diapositive. Donc, la collecte d'eau de pluie, je vois pas très bien ma diapo. OK, parfait. La collecte et l'utilisation d'eau de pluie, c'est une pratique qui gagne en popularité. Il y a de plus en plus de pression pour réduire notre consommation d'eau potable. Et dans le sud du Québec, avec des précipitations estimées entre 800 et 900 mm de pluie par année, c'est possible de récupérer entre 70 et 80 000 litres d'eau de pluie par 100 mètres carrés de toit. Les avantages de faire la collecte et l'utilisation d'eau de pluie, c'est que, comme je le mentionnais, ça peut nous permettre de faire l'économie au niveau de la ressource de l'eau. Mais ça peut aussi contribuer à avoir une meilleure gestion de l'eau de pluie pour lutter contre certains effets néfaste du ruissellement urbain et ça peut aussi fournir une source d'alimentation alternative dans les périodes où la ressource est plus limitée, les périodes de sécheresse ou de chaleur plus intense. Par contre, il y a certaines contraintes, il y a des préoccupations auxquelles on doit penser en fonction des usages qu'on pourrait faire de cette eau de pluie-là. À l'origine, c'est en 2010, dans l'édition 2010, que la possibilité d'utiliser des réseaux d'alimentation en eau non potable a été introduite dans le code de plomberie. Et à ce moment-là, c'était quand même très limité. Donc, c'était possible d'utiliser des réseaux d'alimentation en eau non potable pour les toilettes, les urinoirs et pour des lavabos, mais seulement dans des établissements touristiques. Donc, par exemple, des sites de camping. Qui pouvaient utiliser l'eau non potable dans les lavabos, mais il fallait que ce soit vraiment bien affiché, bien indiqué. Dans le nouveau Code national de plomberie 2020, qui a été publié récemment, on a introduit les systèmes de récupération d'eau de pluie, oh, pardon, non potable. Par contre, cette eau de pluie-là, elle est limitée, elle doit venir d'une surface de toit hors sol et il ne doit pas y avoir de circulation pédestre ou de véhicule sur la surface sur laquelle on fait la collecte d'eau de pluie. Et on doit aussi avoir une toiture qui est composée de matériaux qui ne vont pas se dissoudre dans l'eau, évidemment, là, pour ne pas contaminer l'eau de pluie qu'on récupère. Dans la nouvelle mouture du Code national de plomberie, ça n'inclut pas les barils d'eau. Qui sont parfois là, fournis ou vendus par les municipalités ou en magasin qu'on peut installer à notre résidence. Donc, ces barils d'eau-là ne sont pas accordés à un réseau de plomberie et donc sont exclus de la réglementation. On mentionne aussi différents documents de référence pour la conception des systèmes. On fait référence aux règles de l'art, mais le code de plomberie comme tel ne donne pas les paramètres de conception pour les systèmes de récupération d'eau de pluie. Donc, qu'est-ce qui est proposé dans le nouveau code? C'est d'élargir l'utilisation qu'on peut faire de l'eau de pluie non potable. Donc, en plus des toilettes et des urinoirs qui étaient déjà présents, on propose aussi de permettre de les utiliser pour la lessive, la machine à laver, les éviers à vadrouille ou de service, les amorceurs de siphon dans les trains de plancher, réseaux d'irrigation à l'extérieur et les systèmes hydroponiques et d'appoint pour dissipation de la chaleur, comme les tours de refroidissement, par exemple. Et la dernière proposition, c'est vraiment large, c'est toute autre utilisation de l'eau qui ne serait pas ingérée ou inhalée. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans la nouvelle mouture du Code de plomberie national. La question que la Régie du bâtiment du Québec s'est posé et qui a mené à la formation du comité interdisciplinaire, c'est est-ce que des adaptations doivent être mises en place pour le Québec? Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que le Code national de plomberie est publié au niveau national, puis ensuite, le Québec adopte
avec ou sans modification, le code de plomberie à travers le chapitre 3 sur la plomberie du code de construction du Québec. Donc, la RBQ a formé un comité multidisciplinaire pour évaluer ce qui était proposé. Et le mandat, c'était d'analyser l'impact d'élargir les usages permis de l'eau de pluie d'un point de vue sanitaire, technique, législatif, environnemental et économique. Donc, c'était le mandat du comité. Et ben, moi, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu ce qui est ressorti de ce travail-là du comité. Puis, je vais me concentrer principalement sur l'aspect sanitaire, technique et législatif. Je vais essayer de garder ma voix fonctionnelle. Donc, pourquoi? D'abord, le premier point, c'est sanitaire, donc les impacts au niveau sanitaire. Puis, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on voudrait se préoccuper du risque sanitaire si il s'agit d'un usage qui ne nécessite pas de l'eau potable. Bien parce que on va avoir la présence de contaminants, possiblement dans l'eau de pluie qu'on va récupérer, soit de nature chimique ou microbiologique. Donc, au niveau des contaminants chimiques, on peut avoir des métaux, des pesticides, des hydrocarbures. Et s'il y a une désinfection qui se fait au niveau du système de récupération d'eau de pluie, on peut aussi avoir la présence de sous-produits de désinfection si il y a beaucoup de matière organique qui est présente dans l'eau de pluie. Au niveau microbiologique, on va avoir la présence de divers pathogènes et champignons, puis on peut aussi avoir des pathogènes opportunistes comme Legionella ou Pseudomonas dans l'eau de pluie qui est collectée. Et d'ailleurs, c'est documenté dans la littérature, là, ça c'est un exemple, mais dans certaines études où on a vérifié la qualité d'eau microbiologique de l'eau de pluie collectée à partir des toits de maison, on avait jusqu'à 20% des échantillons testés qui contenaient des bactéries qui pouvaient avoir des impacts au niveau sanitaire. Les autres préoccupations, c'est parce qu'on peut aussi avoir une aérosolisation. Donc, il y a certaines utilisations, par exemple les chasses d'eau, l'irrigation extérieure, dans lesquelles on va avoir une aérosolisation de l'eau de pluie. Donc, s'il y a une présence de contaminants chimiques ou microbiologiques, bien, ça peut présenter un certain risque. Et il y a aussi voir là, s'il y a un risque de contact cutané. Donc, c'est pour ça qu'on veut se préoccuper quand même du côté sanitaire, même si c'est de l'eau non potable. Qu'est-ce qui peut influencer la qualité de l'eau de pluie? D'abord, au niveau des sources de contamination, bien, on est à l'extérieur, donc les contaminants aéroportés qui proviennent soit du sol qui ont été remis en suspension ou de l'air qui sont déposés sur les toits. Le matériau comme tel du toit ou du système de récupération qui est en contact avec l'eau. Et là, ce qu'il faut penser, c'est que l'eau de pluie va avoir un pH faible. Donc, il y a certaines dynamiques avec les matériaux qui vont être accentuées par rapport à une eau municipale, par exemple, qui a un pH un peu plus élevé. Et il y a aussi les sédiments. Donc, on a des réservoirs dans les systèmes de collecte d'eau de pluie et il y a des sédiments qui s'accumulent au fond du réservoir qui sont parfois ou même souvent plus contaminés que l'eau elle-même et qui peuvent contribuer ou devenir une source de contamination. Les facteurs qui vont influencer cette contamination, on a parlé des matériaux, mais il y a aussi la conception du système et la température de l'eau, donc la température à laquelle l'eau de pluie est maintenue dans le réservoir ou dans le système. Bien entendu, il va y avoir les conditions météorologiques, donc par exemple la vitesse, la direction du vent, mais aussi les conditions environnementales locales. Donc, si on se trouve, si notre système est situé près d'une forêt ou près d'une autoroute, on n'aura pas les mêmes contaminants aéroportés qui vont à être pris en considération. Un autre facteur, c'est au niveau de la conception du système. Et un point important sur lequel je vais mettre un petit peu plus d'emphase, c'est l'entretien du réservoir. C'est vraiment un élément clé pour maintenir une bonne qualité microbiologique et le manque d'entretien, c'est un facteur qui a été soulevé dans la littérature comme une source importante de contamination. Donc, pour continuer sur l'entretien du réservoir, il y a une étude qui a démontré qu'il y avait un lien direct entre la qualité d'eau du système de récupération d'eau de pluie et la fréquence de vidange et de nettoyage du réservoir. Puis dans ce cas-ci, le lien, dans une des études, le lien avait été observé avec la présence de Escherichia coli. Dans une autre étude qui s'est déroulée en Nouvelle-Zélande, il y avait seulement 35% des maisons étudiées qui avaient déjà nettoyé leur réservoir d'eau de pluie. Donc la majorité des gens
installait un système de récupération d'eau de pluie, l'utilisait, mais par la suite ne se préoccupait pas de nettoyer leur réservoir. Et dans cette même étude, ils ont remarqué que les réservoirs qui n'étaient pas régulièrement nettoyés pouvaient favoriser la croissance de Legionella dans le biofilm présent dans le réservoir et d'autres bactéries pathogènes qui pouvaient entraîner des risques à la santé. Donc ça, c'était un peu le survol du point de vue sanitaire. Le second point, c'était au niveau technique. Donc, quelles sont les considérations techniques qu'on doit prendre en compte pour aller vers ces applications élargies de l'utilisation de l'eau de pluie dans les bâtiments? Donc, premièrement, ça prend deux réseaux dissociés clairement identifiés. Donc, d'un point de vue technique, il faut le prendre en compte. Les robinetteries, les tuyauteries qui sont raccordées au réseau d'eau de pluie, pardon, doivent être bien identifiés. Et dans certains cas, si on a aussi un réseau d'eau grise, là, il faut avoir une identification, un marquage spécial pour ces trois différents réseaux. Ça demande aussi un entretien rigoureux si on veut maintenir une bonne qualité d'eau. Et pour les endroits où il y a du gel, comme par exemple ici au Québec, il faut y penser. On peut avoir des réservoirs qui sont à l'extérieur, complètement à l'extérieur, exposés au gel. Donc, dans des cas comme ça, il faut prévoir les risques associés au gel. Puis, on a aussi des réservoirs qui sont souterrains, qui sont peut-être un peu moins sujets à ces risques. Il y a le suivi de la qualité de l'eau de pluie qui est souhaité pour assurer une bonne qualité et éviter les risques à la santé. Toutefois, il n'y a pas de réglementation à cet effet au Québec. Puis on va voir un peu plus loin qu'il n'y en a pas non plus beaucoup à l'international. Et ce qui existe est très variable d'un endroit à l'autre. Typiquement, en eau potable, on va utiliser les coliformes comme indicateur. Mais ce n'est pas nécessairement un bon indicateur pour l'eau de pluie qui est récupérée sous les toits parce que ce n'est pas les mêmes préoccupations et les mêmes risques de contamination que pour l'eau potable. Donc, c'est important au niveau technique de sensibiliser les propriétaires à la nécessité de faire un bon entretien du système une fois qu'il est installé et de faire un certain suivi de la qualité d'eau pour s'assurer que le système est sécuritaire et ne présente pas de risques. Donc, quels devraient être les paramètres à considérer pour s'assurer justement d'une performance optimale et sécuritaire? Le premier, c'est un bon dimensionnement du système. Donc, on a tendance parfois à surdimensionner les systèmes pour s'assurer d'être prêt si jamais il y a une demande accrue ou s'il y a un plus grand usage. Mais il faut faire attention parce que si on surdimensionne le système, on va occasionner plus de stagnation dans le réseau, dans le système, dans le réservoir. Puis ça peut entraîner des problématiques. Le choix de matériaux, bien entendu, est très important. Le traitement ou la désinfection du système. Donc, une fois que le système est installé avant la première utilisation, c'est important de penser à faire un traitement ou une désinfection du système avant de débuter l'utilisation pour enlever toute contamination qui pourrait être présente en raison de l'installation ou de la construction du système. Il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est le type d'utilisation qu'on va faire de l'eau. Donc, il y a une norme du CSA de B805 sur laquelle on va revenir un peu plus tard, qui a généré un tableau de niveau de risque en fonction du type d'utilisation de l'eau. Donc, ça, c'est intéressant, ça permet de voir là, en fonction de ce qu'on veut faire avec notre eau de pluie, s'il y a un risque ou non qui est associé au point de vue, d'un point de vue santé. Pensez aussi à avoir un matériel de formation de la documentation pour que les personnes qui installent, conçoivent et utilisent ces types de systèmes soient bien au courant de ce qu'ils devraient faire comme entretien et des paramètres dont ils devraient tenir compte. Donc, ce qui est suggéré, ça c'est un peu ce qui a été récolté là, dans la revue littérature puis dans les différents documents guides qu'on a pu repérer par le comité. Les mesures préventives qui sont suggérées pour maintenir une bonne qualité d'eau puis un système qui est optimal, c'est de faire des nettoyages périodiques au niveau de l'aire de collecte de l'eau de pluie, y compris les gouttières. D'utiliser des réservoirs qui sont isolés pour contrôler la température de l'eau de pluie pour éviter qu'on ait des températures très élevées qui favorisent la prolifération de bactéries. Éviter aussi les gros débits, donc un grillage qui permet d'empêcher les feuilles, les animaux, les insectes d'être
de se retrouver dans le réservoir puis qui pourrait donner, servir de nutriments à la croissance des micro-organismes. Un point qui revient beaucoup, je vous dirais, même chose que l'entretien du réservoir, c'est ça, c'est plusieurs études qui mentionnent l'importance d'avoir un dispositif qui permet de dévier les premiers millimètres de pluie récoltée. Parce que c'est vraiment dans ces premiers millilitres-là qu'on va avoir la majorité des polluants organiques. Donc, si on pense à une période sans pluie, bien, les contaminants s'accumulent sur la surface du toit. Et là, quand il se met à pleuvoir, bien, les premiers millimètres de pluie servent à un peu laver ou rincer cette surface-là, puis c'est ce qui va être le plus chargé en contaminants. Donc, ce qui est recommandé, c'est de dévier 2 à 10 millimètres de pluie au début pour vraiment éliminer les concentrations élevées en contaminants. Puis, il y a une étude qui commence à dater de quelques années qui disait que ça pouvait, qui avait observé que ça pouvait réduire de 9 à 62 % la contamination bactérienne présente dans l'eau de pluie récupérée. Une autre mesure préventive, c'est d'éviter les stagnations prolongées dans le réseau et dans le réservoir. Donc, si par exemple, on a une situation où on n'utilise pas le système pendant l'hiver, bien, il faudrait prévoir la vidange du système pour ne pas laisser l'eau stagner pendant toute cette période-là. Et finalement, bien, la simplicité, donc opter pour des conceptions simples, des indications claires d'entretien qui, bien, encore une fois, selon les études, ce serait suffisant pour assurer la qualité d'eau récoltée pour les usages résidentiels. Donc, qu'est-ce qui existe? J'ai référé un peu plus tôt aux réglementations puis aux normes. Qu'est-ce qui existe déjà à l'international? C'est quand même assez variable. Donc, si on pense aux États-Unis, si on regarde aux États-Unis, ça va varier d'un État à l'autre. Donc, la législation est surtout laissée aux paliers gouvernementaux inférieurs, donc des municipalités ou de l'État. En général, les normes ou les réglementations vont traiter de différents aspects comme la conception, l'installation et l'opération du système. Par contre, la qualité d'eau et le traitement requis ne sont pas spécifiés. En France, on a une législation qui va dicter les règles d'utilisation de l'eau de pluie pour l'irrigation, lavage des planchers et toilettes. Puis ils sont en ce moment, je ne sais pas s'ils ont terminé depuis, mais ils étaient en phase expérimentale pour voir s'ils voulaient permettre aussi l'usage de l'eau de pluie pour la lessive dans certaines conditions. Au Royaume-Uni, là, c'est aussi assez spécifique. Donc, toilettes, lessive, lavage de voiture, arrosage du jardin. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Royaume-Uni, pardon, ça va un peu plus loin. Donc, ils recommandent une filtration et une désinfection de l'eau pour les usages qui entraînent une exposition importante, comme la lessive et les toilettes. Et finalement, en Australie, les lignes directrices, pardon, propose des mesures de contrôle de l'exposition. Donc, ils vont suggérer, par exemple, d'éviter d'irriguer en présence du public ou de faire de l'irrigation sous surface pour minimiser l'exposition entre les gens et l'eau de pluie qui est utilisée. Ici, c'est un petit tableau tiré d'une publication que j'ai trouvé intéressant parce que ça montre à quel point les critères de qualité qui ont été suggérés d'un pays à l'autre sont très variables. Ici, c'est un exemple de critères de qualité de l'eau de pluie pour alimenter des toilettes en termes de concentration en coliformes fécaux et coliformes totaux. Donc, c'est quand même assez variable en termes de concentration selon le pays. Puis ce sont des recommandations bien souvent. Un autre exemple ici que je voulais partager avec vous, donc au niveau de la ville de Berkeley en Californie, depuis tantôt, je vous parle de faire un bon entretien du système, de faire l'inspection et tout ça, mais la ville de Berkeley, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fourni, donc ils ont un guide pour la collecte d'eau de pluie. Et dans ce guide, ils ont inclus un tableau en décrivant les actions qui devraient être prises devraient être prises et la fréquence de ces actions. Par exemple, le fameux nettoyage des grillages dont on parlait tantôt, bien, c'est suggéré d'être fait aux 3 mois, alors que l'inspection du système, nettoyage des débris, l'inspection de ces réservoirs, bien, ça devrait être fait tout de suite après l'installation et une fois par année. Donc, ça peut donner aussi un guide aux utilisateurs de savoir à quelle fréquence on devrait faire les différents types de suivi sur notre système.
Ce qu'il y a ici maintenant au Canada en termes de législation et normes de référence, au niveau fédéral, au niveau du Canada, il y a Santé Canada qui a émis des recommandations sur les eaux domestiques recyclées qui étaient destinées à alimenter les toilettes et les urinoirs. Donc, on a eu un document, une recommandation là-dessus. En Ontario, on a des suggestions sur les types de traitements qu'on devrait faire pour l'utilisation de l'eau de pluie. Donc, la dérivation des premiers millimètres d'eau revient ici. Désinfection, comme on a vu pour le UK, traitement au chlore, ozone, traitement thermique. Donc, il y a différents traitements qui sont proposés ou recommandés. En Alberta, on limite aux toilettes, urinoirs et irrigation sous la surface. Et il y a aussi la Société canadienne d'hypothèque et de logement qui mentionne la possibilité d'appliquer des lignes directrices canadiennes pour la réutilisation de l'eau quand il y a un potentiel contact de l'humain avec l'eau. Donc, il y a différents documents, mais encore là, c'est assez variable et ce sont la plupart du temps des recommandations. Ici, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'était plus comme référence pour la suite, pour donner des exemples de documents qui peuvent être utiles, qui existent avec des informations sur, par exemple, les paramètres de conception à considérer, l'installation des systèmes. Donc, les trois premiers documents, ce sont des standards, des normes CSA. Et on a aussi des groupes, des documents là, qui ont été émis par différentes provinces ou organismes. Et la BI 805, dont je vais vous reparler un peu plus, est selon moi celle qui a le plus de détails en lien avec la conception puis le suivi des systèmes de récupération d'eau de pluie. Donc, justement, c'est ici la qualité de la capture d'écran n'est pas super bonne, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. C'était juste pour vous montrer un exemple de ce qu'il y a comme information dans la norme B805. Et tout à l'heure, je vous parlais du travail qu'ils avaient fait pour essayer de classer le type d'utilisation et le risque. Donc, dans un premier tableau ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a la probabilité d'exposition de peu probable à probable et les différents types d'utilisation qui peuvent être faits de l'eau de pluie. Dans la deuxième colonne qui est classée selon la probabilité d'exposition. Et le même exercice, donc c'est assez similaire, mais le même exercice a été fait pour catégoriser la possibilité de contact humain. Donc, encore là, de faible à élevé en fonction de la concentration, l'utilisation, pardon. Et dans ces tableaux, il y a des recommandations sur quel type de traitement ou quel enlèvement devrait être visé en fonction de l'utilisation qu'on veut faire de l'eau de pluie. Donc, au terme du travail du comité, ce qui a été conclu, c'est que pour la prochaine édition, ce qui a été recommandé, donc au final, c'est la Régie du bâtiment du Québec qui va étudier la recommandation et prendre la décision, mais ce que le comité a recommandé, c'est d'aller de l'avant avec l'élargissement des usages de l'eau de pluie dans les bâtiments. Sauf pour certains usages pour lesquels il y a peut-être besoin de plus d'informations avant de pouvoir ouvrir cette possibilité. Donc, ce qui est en rouge, les éviers de service, les éviers pour les lessives, pour la lessive, c'est peut-être des endroits où il y a plus de risques d'avoir des mélanges entre le réseau d'eau non potable et d'eau potable. Le point G ici, c'était le système d'appoint en eau, donc les tours de refroidissement. Et le dernier point qui, d'une part, était très large, puis d'autre part, qui est un peu contradictoire par rapport à certaines des utilisations qui sont permises un peu plus haut, puisque, par exemple, les réseaux d'irrigation, il y a quand même une possibilité qu'il y ait inhalation de l'eau quand on fait une irrigation. Donc, ce qui est en rouge, c'est ce que le comité a recommandé d'enlever par rapport à ce qui était proposé dans le Code national de plomberie. Le comité a aussi fait des recommandations supplémentaires. La première, c'est basé sur ce qui se fait en France, c'est de limiter ou interdire la réutilisation de l'eau de pluie à l'intérieur de certains types de bâtiments pour les usages là, qui ont été listés. Par exemple, les écoles maternelles, services de garde et hôpitaux, où il y a des populations peut-être plus vulnérables ou qui pourraient être plus sujettes à, par exemple, les jeunes enfants, là, de ne pas nécessairement faire la différence entre un système identifié comme non potable ou potable et les laboratoires d'analyse médicaux et cabinets dentaires. Il y a aussi eu la recommandation de réaliser des études au Québec. Donc, il y a beaucoup de littérature sur
L'utilisation d'eau de pluie en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Californie, peu d'informations réalisées dans des pays plus nordiques, entre autres au Québec. Donc, pour répertorier les systèmes de réutilisation d'eau de pluie qui sont déjà existants, constater comment ils ont été construits, opérés, entretenus, évaluer certains systèmes pour voir quel est l'entretien et comment ils préservent leur intégrité dans le temps, la qualité d'eau qui est produite et les méthodes qui sont utilisées pour faire le suivi et assurer la qualité d'eau produite. Puis, il y avait aussi une recommandation de produire un guide d'accompagnement et de formation pour les installateurs et propriétaires des systèmes de récupération d'eau de pluie pour, tu parlais au tout début là, de l'importance de sensibiliser les différents acteurs autour de ça, donc pour réaliser cette sensibilisation et cette information-là. Le document est disponible sur le site de la RBQ, est accessible à tous. Si vous êtes intéressé de le consulter, il y a quand même une revue de littérature assez détaillée qui a été faite dans le cadre de ce document-là. Et donc, vous pouvez le consulter si ça vous intéresse. Et je crois que c'est la fin. Donc, je vais peut-être le laisser sur l'adresse du document, mais je vous remercie de votre attention, puis ça me ferait plaisir de répondre aux questions s'il y en a. Thank you.